Bonjour à tous. Je suis Madame Bakatasani. Je suis d'origine chinoise et j'habite à Maurice. J'enseigne le mandarin au lycée La Redonnée depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter la langue chinoise qui me tient à cœur. Le mandarin est la langue officielle de la Chine. Comme vous le savez, la Chine est un des plus grands pays du monde. Elle a une histoire vieille de plus de 5000 ans. Sa culture, ses traditions et sa civilisation sont très riches. Et d'aujourd'hui, son développement est incroyable. La Chine est considérée comme la première puissance économique mondiale. Donc, le mandarin devient peu à peu la langue étrangère la plus populaire. Les raisons pour lesquelles il est très important pour vos enfants d'apprendre cette langue sont nombreuses. Par exemple, pour enrichir leur culture, s'ils veulent un jour voyager en Chine ou étudier en Chine, ou encore s'ils veulent entrer dans le monde des affaires, de la médecine, de la technologie, etc. N'oubliez pas que la Chine représente le plus grand centre d'affaires et des technologies à l'heure actuelle. Cette langue ne peut donc être qu'un atout majeur pour vos enfants. Le mandarin est une langue complètement différente des autres parce qu'elle ne possède pas d'alphabet, mais des caractères. Grâce à ces caractères, le mandarin est une langue imagée, mais relativement simple. Ce n'est pas une langue difficile, simplement différente, puisqu'il n'y a pas de ton en mandarin, mais de tons différents. Les caractères chinois n'ont pas de conjugaison, ni déclinaison, ni nombre, ni genre. En fait, le mandarin peut être considéré comme deux langues en une. Le caractère et la prononciation. Le caractère est une écriture logo, une écriture qui possède une dimension spirituelle et esthétique, comme un puzzle, un vocabulaire domino, dont sa beauté est indéniable, la calligraphie. À travers cette citation du 18e siècle, vous pouvez réaliser l'étendue de la popularité et de la durée dans le temps que suscite l'apprentissage du mandarin. Apprendre le chinois est une option sur l'avenir. C'est également la première langue la plus parlée dans le monde et la deuxième sur Internet. En 2003, le rapport Legendre démontre clairement l'importance de cette langue, qui est avant tout un atout professionnel. Alors, à l'école, nous apprendrons à parler, à lire et à écrire les idiomes, mais aussi des notions des civilisations chinoises, dont je suis très fière. Beaucoup pensent que le mandarin est très difficile à apprendre. Les gens souvent disent, c'est du chinois. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Un élève volontaire, travailleur et motivé peut très bien réussir avec l'aide du professeur étape par étape. Je ne dis pas qu'il est impossible de l'apprendre en dehors de l'école, mais ça sera plus dur et prendra plus de temps. En fait, plus jeune on l'apprend, mieux on réussit. J'espère ici avoir réussi à vous convaincre de l'intérêt que cet apprentissage peut avoir pour vos enfants. Si vous pensez que le mandarin est une langue importante pour l'avenir de vos enfants, n'hésitez pas à la choisir et à les motiver. Je vous garantis qu'avec leurs efforts et mon aide, ils seront rapidement à l'aise. Il y a encore beaucoup à dire, bien sûr. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, des commentaires à faire. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien.